que la couleur de vos urines joue un rôle très important dans l'état de votre santé? Est-ce que vous prenez souvent la peine, lorsque vous urinez, de pouvoir observer la couleur de vos urines? Il est très important de pouvoir le faire parce que vous savez que les urines jouent un rôle dans l'élimination des déchets de notre corps et qu'ils sont sécrétés au niveau des reins et stockés au niveau de la vessie. Donc, s'il y a une souffrance dans l'un des organes, alors cette couleur change systématiquement et cela devrait vraiment attirer votre attention. J'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir attirer votre attention sur le fait de pouvoir observer la couleur de vos urines parce que cela peut sauver votre vie. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo et on se voit tout de suite avec Suite Doctors. Nous allons voir que révèle la couleur des urines sur l'état de votre santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis le docteur Olivia Tchoupé. Je suis médecin généraliste. Je réside aux États-Unis et j'ai créé cette chaîne parce que je me soucie de vous et parce que je pense que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, je pense que si vous êtes informé sur votre état de santé, alors vous allez pouvoir vivre longtemps en bonne santé parce que je crois de tout mon cœur que c'est possible de pouvoir vivre longtemps en bonne santé lorsqu'on sait comment son corps fonctionne et lorsqu'on sait en prendre soin. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les urines font partie de la dégradation des toxines de notre corps. Et ces urines-là sont sécrétées au niveau de vos reins et vous avez deux reins à droite et à gauche. Et ces urines sont stockées au niveau de votre vessie. Et après, lorsque la vessie est pleine, cela va aller aux toilettes pour pouvoir uriner. Donc, ces urines ont normalement une couleur jaune pâle. Et si cette couleur change et qu'elle devient jaune foncé, cela voudrait dire que vous ne buvez pas assez d'eau, vous n'êtes pas assez bien hydraté. Et si cette couleur est trop claire, ça veut dire que vous buvez trop d'eau. Et je tiens à attirer l'attention des personnes ici qui boivent beaucoup d'eau pour leur dire que lorsque vous buvez beaucoup d'eau, vous allez beaucoup uriner. Et lorsque vous allez uriner, vous allez perdre vos ions, précisément le sodium. Donc, il est très important lorsque vous décidez de boire assez d'eau, de pouvoir utiliser le sel de mer et de le mettre un peu dans votre eau pour pouvoir remplacer le sodium que vous allez perdre. Parce que vous consommez beaucoup. Parce que plus vous allez consommer, plus vous allez uriner et plus vous allez perdre les ions. Or, il faudrait avoir un équilibre ionique pour que vous puissiez maintenir une santé parfaite. C'était juste une parenthèse. Donc, si vous vous rendez compte que lorsque vous urinez, vous retrouvez le sang au niveau de vos urines, alors cela n'est pas bon signe. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir prêter attention à la couleur de vos urines. Je tiens d'abord à rappeler ici que vous pouvez avoir une couleur rouge au niveau de vos urines si vous mangez de la betterave ou bien si vous prenez beaucoup de baies ou certains médicaments peuvent vous donner une couleur rouge. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, vous n'avez pas pris de betterave, vous n'avez pas pris beaucoup de baies ou bien vous ne prenez pas vraiment de médicaments et que vous vous rendez compte que vos urines sont rouges, cela doit vous alerter. Ne restez pas au quartier et vous dites que vous allez bien. Et je tiens surtout à rappeler, c'est beaucoup plus chez les hommes, parce que ce sont souvent des signes d'un problème au niveau de votre prostate, ou bien au niveau de votre vessie. Donc, vous devez vraiment venir consulter si vous voyez qu'il y a du sang au niveau de vos urines. Si vos urines sont, lorsque vous venez uriner et que vous voyez que vos urines sont nuageuses, alors cela peut signer que vous avez un problème au niveau de votre vésicule biliaire ou bien que vous avez un problème d'infection urinaire. Si vous remarquez que la couleur de vos urines est jaune fluorescent, ça veut dire certainement que vous prenez de la vitamine B synthétique. Si vous vous rendez compte que la couleur est noire, alors cela voudrait dire que
Vous prenez peut-être le Flagyl, qui est un médicament, ou bien vous consommez trop de laxatif cascara, ou bien vous prenez trop de sorbitol. Donc cela peut signifier cela. Si vos urines sont brun foncé, alors ça veut dire que certainement vous avez sûrement des dommages au niveau de vos reins, ou bien vous prenez trop de fèves, ou bien il y a une blessure musculaire au niveau des trajets de vos urines. Donc, ne restez pas à la maison si vous voyez un changement au niveau de vos urines. Venez quand même consulter. Vous devez vous rassurer, on ne s'inquiète pas pour rien. Donc, il est très important si vous voyez un changement de la couleur de vos urines de pouvoir venir consulter. Comme j'ai dit au début, si vous ressentez que vos urines, vous voyez que vos urines sont très concentrées, sont jaunes concentrées, alors cela voulait dire que vous ne vous hydratez pas assez. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez corriger cela vous-même en prenant un peu plus de liquide. Et si vous rendez compte que vos urines sont claires, cela voudrait dire que vous buvez trop de liquide. Et comme je l'ai dit, lorsque vous buvez trop de liquide, alors vous urinez aussi beaucoup et vous perdez en ions. Donc vous devez faire vraiment très attention et pouvoir équilibrer. Parce que tout un problème d'équilibre, tout un problème de juste milieu entre tout excès. Tout ce que vous allez faire en excès pour votre santé va vous nuire. Donc il faut pouvoir faire des choses avec modération pour pouvoir trouver le bon équilibre. Donc s'il vous plaît, dès aujourd'hui, essayez de pouvoir faire attention à la couleur de vos urines lorsque vous allez vous uriner. Et si vous trouvez un changement, alors il est très important de pouvoir venir consulter pour qu'on voit ce qui ne va pas. Et si on trouve une maladie, qu'on puisse vous soigner à temps, afin qu'il ne fasse trop tard. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre que révèle la couleur des urines. Si vous avez appris quelque chose, je vous invite à pouvoir partager cette vidéo aux membres de vos familles, à vos amis pour pouvoir les édifier. Et si vous avez surtout des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vais répondre avec plaisir. N'hésitez surtout pas à pouvoir regarder mes autres vidéos en cliquant le lien tout juste à la fin de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir bénéficier des conseils gratuits de la santé. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye.